24 hours, I need more. Ok, alors en fait là, on est venu refaire du snorkeling. Et en fait, on voit rien du tout, il y a plein de vagues. C'est profond, on voit rien. À un moment, on devait voir des tortues, des raies, et là, on voit rien du tout. Du coup, bah, on est déçu, donc on sait pas ce qu'on va faire. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like. En fait, c'est magnifique. On a trouvé un autre endroit. Donc on a fait plusieurs endroits en bateau et c'est magnifique. C'est juste qu'en fait là l'endroit il est trop beau mais je peux pas trop filmer parce qu'il y a grave du courant. Mais j'ai quand même un peu filmé mais c'est hyper galère de nager. Et sinon franchement c'est trop beau, j'adore. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tus textos. Donc là, on est en train de visiter l'île. On est en voiture, on fait un peu le tour de l'île. Et on a trouvé cet arbre. Voilà, c'est à peu près une heure qu'on est en voiture et c'est trop beau. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y hasta
perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Il y a plein de cactus sur l'île Nusa Penida. Franchement, cette île, elle est à faire, elle est magnifique. Il fait chaud, bon, peut-être ça, c'est pas tout le temps, mais franchement, elle est à faire, c'est beau, ça ressemble un peu à la Corse. Donc voilà. Panorama de ouf en plus. L'eau, elle est turquoise, elle est transparente. Franchement, c'est trop bien. C'est trop beau. Regardez l'eau, comment elle est. Elle est transparente. C'est juste magnifique. C'est incroyable, mais vrai. Beautiful. It's beautiful. Le bruit de l'eau en plus, c'est trop stylé. Depuis tout à l'heure je le dis, mais cette île, elle est vraiment à faire. C'est magnifique. Está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Regardez où on passe pour le retour. Ah, il y a des orties. Il y a juste Charles qui a marché en plein cactus. C'est une catastrophe, il y a plein de cactus. C'est bon ? Attention. Aïe ! Ah, il y a plein de branches. Thank you. Oh là là, il y a plein de cactus, il y a plein d'orties. C'est une catastrophe. Très beau cette fleur. Je lâche. Donc là, on a fini la balade de 1 heure à peu près. Il fait hyper chaud dehors. Et enfin voilà quoi. C'était hyper beau. Et voilà quoi. Donc là, on voit le deuxième endroit de l'île parmi les plus beaux à voir. Je ne sais pas le nom de l'endroit. Parce que le guide, en fait, il nous dit pas trop les noms. Et il n'y a pas trop de panneaux non plus. Mais c'est trop beau. C'est magnifique. Regardez. On est. Oh ! C'est trop beau ! On est à peu près à 100 mètres là. Trop beau. C'est magnifique. Putain, on est grave haut, on est prêt à 100 mètres là. C'est des fois je le dis. C'est trop beau. En plus c'est un bateau là.
Wow, magnifique. Oui, mais je prends tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí. En fait, le truc, c'est qu'on peut descendre sur la plage qui est tout en bas, mais il faut près une heure pour monter et descendre. Il fait hyper chaud, du coup, on va pas le faire parce qu'on a le bateau à prendre. C'est parti, grand retour à Bali. Donc là, on en a pour 40 minutes de bateau jusqu'à Bali, au port. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je n'ai pas la GoPro, c'est Hugo qui est parti faire du snorkeling et qui a pris la GoPro. Moi, c'était ce matin, piscine à l'hôtel, et cet après-midi, plage pour faire du jet ski. Première fois que je vais en faire. C'est toujours la plage de Sanur, près de l'hôtel. Pas mal de vent aujourd'hui, donc ça va un petit peu secouer, mais bon, ça peut être drôle. Il fait trop beau, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. L'eau est sublime. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Ok, bon, alerte rouge, il y a eu deux tremblements de terre. Oui, mais on a senti deux secousses, bref. On a hyper peur, on est descendu en courant de l'hôtel, ça bougeait comme ça. Là, on est grave stressé, on a le cœur qui bat comme ça, vraiment. On est tous stressés, on dort à trois dans la chambre, alors que moi je suis en haut, enfin voilà, c'est une catastrophe. J'avoue, j'ai vomi tellement j'avais peur. C'est dégueulasse. Ah, mais t'es aux toilettes, Marine ? Je tremble. Je sais pas si on voit, mais je tremble tellement j'ai peur. Là, on va quand même essayer de dormir parce que ça fait à peu près une heure que le dernier s'est fait passer. Donc voilà.